l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Fonction publique. Finaliste, ministère des Ressources naturelles et de la faune. Réalisation, la gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire, un nouveau partage des rôles entre l'État et les régions. La gestion intégrée et régionalisée des ressources naturelles et du territoire, c'est la réponse du ministère à la volonté gouvernementale de décentralisation qui avait été annoncée dans l'orientation gouvernementale briller parmi les meilleurs en 2004-2005. Il y a environ 3 ans, les directions générales ont été créées. Dans la première année, on s'est vite rendu compte que le travail se faisait par silo et donc que la clientèle était mal servie. Auparavant, on travaillait avec 5 réseaux régionaux distincts. Dans les terres, la faune, l'énergie, les mines, les forêts. Maintenant, on travaille en un seul réseau régional intégré. Ce sont des gens très spécialisés. On ne leur demande pas de devenir des généralistes, mais on leur demande de s'asseoir avec des corps d'emploi qui sont différents, avec des spécialités qui sont différentes, et ensemble à trouver des solutions novatrices. Il faut comprendre qu'au Québec, une grande partie du développement se fait sur les ressources naturelles. Alors, ils ont intérêt, eux, à se donner un plan pour s'assurer que la population va demeurer dans ces régions-là et va vivre de l'exploitation des ressources. Alors nous sommes en support pour leur donner des conseils, pour les amener à prendre des bonnes décisions. Le changement de culture d'entreprise que ça a généré a fait en sorte qu'on travaille davantage maintenant en partenariat avec les régions pour des projets structurants, et c'est un chemin d'avenir. On reçoit des félicitations actuellement parce que pour le client, il sait maintenant que lorsqu'il arrive au comptoir, il peut être assuré qu'il va avoir un avis intégré. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.